Sébastien, avant de bénir toute l'Assemblée, de vous envoyer au nom de l'évêque pour exercer cette charge pastorale qui vous est confiée, je voudrais souligner, et c'est bien pour cela que nous avons demandé à tes proches collaborateurs d'être là, souligner que cette mission de curé, modérateur et d'archiprêtre, tu ne l'exerceras pas tout seul, bien évidemment, parce que, comme cela a été dit, la synodalité est désormais véritablement indispensable dans notre Église. Il y a des ALP, des animatrices laïques en pastorale, Clotilde, Dominique, c'est ça? Je ne me trompe pas? Super. Il y a des conseils de fabrique, il y a des équipes de services, il y a des équipes de, comment on appelle ça, de coordination pastorale, ECP, voilà, pour les initiés. Il y a aussi une équipe d'archiprêtrés. Il devrait vraiment souligner l'importance de tout cela. C'est une nouvelle figure d'Église. Et il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, le prêtre n'est pas tout seul à la charge d'une paroisse, mais il est véritablement dans une co-responsabilité, dans la vocation baptismale de chacun. Que tous vous ayez à cœur de contribuer à l'évangélisation sur ce territoire. Je vous invite tous à vous lever et nous accueillons ensemble la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous